connectez-vous rapidement, connectez-vous Afrique de Liberté, connectez-vous chers amis, connectez-vous. Chers peuples d'Afrique, chers peuples de Côte d'Ivoire, aujourd'hui on va parler de la Côte d'Ivoire, mais en profondeur, voilà, parce que j'ai une vidéo à vous faire écouter et c'est une vidéo de choc. Voilà, c'est une vidéo très 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 spéciale pour moi parce que j'ai voulu partager ça avec vous par rapport à mes frères et soeurs ivoiriens. Voilà, il faudrait que vous écoutez cela. Il faut qu'on parle, il faut qu'on touche, il faut qu'on rentre là où il ne faut pas rentrer chez les Ivoiriens pour que ça puisse en tout cas réveiller cette chose en eux. Parce que trop, c'est trop. On n'arrive pas à comprendre réellement ce qui se passe avec le peuple de Côte d'Ivoire. Maintenant là, on va toucher les points sensibles, on va dire ce que vous ne voulez pas entendre. On va dire ça. Là, ça va vous réveiller parce que trop c'est trop, on est fatigué. Voilà, donc partagez la vidéo Afrique de Liberté, vous qui êtes là. Envoyez cette vidéo partout en Côte d'Ivoire. Envoyez ça partout en Côte d'Ivoire et aussi partout dans le monde entier parce que les Ivoiriens inconscients là, les Ivoiriens qui sont encore dans l'immaturité, les Ivoiriens qui pensent que la Côte d'Ivoire va se libérer d'elle-même là. Il faut qu'on les parle réellement, il faut qu'on les parle sérieusement. Et ils sont à travers le monde entier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est quoi? Le pays va mal, tout va mal. Mais malgré ça, vous là, vous êtes d'amusement. C'est amusement là qui est votre nourriture, c'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Je ferai une vidéo spéciale pour, en tout cas, dire ce que le frère ne pourra pas dire dans cette vidéo parce que il y a tellement à dire. On va écouter ce frère. Il a parlé très fort et ça m'a fait tellement plaisir que j'ai voulu, en tout cas, partager cette vidéo pour que ça puisse rentrer dans le Congolo. Il faut aider les gens à vous aider. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes esclaves. Dans vous-même là, votre propre pays. Et vous ne réagissez pas. Vous êtes dans les bêtises, les trucs inutiles qui ne peuvent rien vous apporter. Vous suivez des gens qui ne peuvent même pas vous défendre. Il ne serait-ce que élever la voix parce que leur voix porte. Mais ils préfèrent autre chose. Ils préfèrent vous emballer, vous détourner parce qu'ils sont payés pour faire ce travail. Mais vous ne voyez pas cela. Et chaque jour que Dieu fait, c'est des mails, des ceci, parle, parle, parle. À un moment donné, nous tous là, on va arrêter de parler et puis se concentrer sur les gens qui sont conscients. À un moment donné, nous tous là, on va vous laisser dans ce que vous êtes. On va vous laisser dans ça. Et vous allez comprendre que vous n'avez qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Vous allez comprendre le jour où Dramane Ouattara va tous vous mettre dehors. Dramane Ouattara va vous anéantir tous. Dramane Ouattara va semer ce chaos. Vous allez comprendre. C'est quel peuple ça? C'est quel peuple ça? Vraiment, c'est triste. Écoutons les frères. Vous allez comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et pourquoi je suis dans cet état la nuit là? Parce que moi aussi, je vais faire un direct spécial pour toucher les plus sensibles. C'est quoi? Réveillez-vous. Battez-vous comme les autres. Écoutez cette vidéo à tout à l'heure. Si toi, tu travailles, qu'on ne te paye pas, si tu ne veux pas parler là. Il y a vu un gars. J'espère que c'est son compte bancaire en Côte d'Ivoire. On dit que sa société a transféré l'argent sur son compte bancaire. Et puis, la banque dit qu'elle n'a pas reçu l'argent. Et puis, lui, il est venu la faire vidéo. Comme il est en Côte d'Ivoire, il a mis quelque chose sur son visage, dans sa voiture. En tout cas, j'ai regardé au moins 2 minutes depuis que je suis passé. Je n'ai pas bien compris le sujet, mais c'était un truc comme ça là. C'est un Ivoirien, il est en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas parler. Il y a des masques, il y a des trucs. Tu peux mettre quelque chose sur ta petite exprime, mais vous avez peur. Les Djoula vous effraient, les rebelles d'hier là vous effraient. Ils prennent PPLCI ou PLCC, un truc comme ça. Quand tu parles un peu, oh PLCC, ils vont te traquer. Les Ivoiriens ont peur. Mais où on ne met pas? Où on ne met pas? Donc, vous êtes un peuple nul. Vous êtes un peuple qui ne mérite même pas qu'on fasse des vidéos sur vous. Vous êtes un peuple sans scrupules. Voilà. Vous êtes un peuple vraiment, je ne sais même pas comment vous qualifier. Et en plus de cela, vous êtes distrait. Vous êtes dans les musiques bizarres. On dit bébé ça, once de Dalois. On dit telle, telle chose. Même les vrais artistes, vous ne partez pas à leur concert. Vous partez au concert de ce pas de la boue. Ça, c'est un peuple ça là.
Ça, c'est un peuple, ça, là. Ça, c'est un peuple, ça, là. Bébé, bébé, ça, on se dit quoi, là, même, on dit quoi, le gars bizarre, là. Lui, il est artiste, qu'est-ce qu'il s'agit, qu'est-ce? Mais les Ivoiriens, on y sait ce qu'il ici. Les Ivoiriens sont restés à la maison. Vous avez l'argent pour avoir les iPhone 15. Et c'est pourquoi Johnny Padjouk avait raison lorsqu'il parlait de ça. Combien d'Ivoiriens qui ont des iPhones? Des iPhones avec trois caméras, là. Même les iPhone 12, 11 comme ça, là. Combien d'Ivoiriens? Vous êtes plus de 20 millions, vous qui avez ce genre d'iPhone. Mais c'est les téléphones qui sont chers. Et quand on casse vos maisons, c'est vous qui venez pleurer. Mais vous êtes riche. Vous êtes riche. Regardez vos photos. Moi-même, je vis ça. Je n'ai pas encore acheté iPhone nouveau. Depuis que je suis venu aux États-Unis. Le seul téléphone que j'ai acheté un seul téléphone nouveau. Et c'est un ami camerounais même qui m'avait convaincu même. Ah, faut prendre un bon téléphone. Tu vas faire. Il y avait un petit téléphone quoi, en deuxième main. Il dit non, faut prendre un bon téléphone. Tu vas faire tes vidéos. Ça sera clair. Ça sera propre. C'est là que j'ai pris un petit Samsung S9. S9 Plus. Mais petit Samsung qui vaut rien là. C'était 700$. Plus les tasses. Ça a dépassé presque 800$. C'était 730, 740 quelque chose. Plus les tasses. Et je n'ai pas aimé. Tout ça là, c'est les deuxième main. Les deuxième main. Il n'y a même pas plus dedans. Parce que ma puce ne rate pas dedans. Et c'est pourquoi j'achète. Parce que c'est moins cher. Puisque c'est pas encore. C'est pas débloqué. Donc le gars, il achète. Mais eux, ils achètent. Ils font deux mois, un an. Quand il y a un nouveau iPhone qui vient, il finit pas de débloquer. Il fait tout. Il vend et puis il achète nouveau. Mais vous avez des téléphones. C'est vous qui mougoussez toutes les go là. Quelqu'un qui n'a pas réussi, qui a quatre enfants. Et après, on vient d'attendre une bronze. Et puis il y a plein de gens, des gestos qui m'ont écrit pour dire non, mais vous êtes malade. Hein? Parce qu'on fait des vidéos, on vous soutient. Vous pensez que nous, on va prendre l'argent dans notre compte pour vous envoyer? Vous les avez comme ça, les maudits comme ça, là. Vous, ils vont vous donner l'étoile à quelqu'un? Vous soutenez quelqu'un? À cause de vous, on ne peut pas rentrer dans nos propres pays, dans notre propre pays. On met nos vies en danger. Si moi, je n'attaquais pas Draman Ouattara, que j'attaquais tous les présidents sauf Draman, je pourrais rentrer dans mon pays. Mais quand j'attaque Draman, à sa cause du peuple de Côte d'Ivoire, mais vous, là, vous soutenez combien? Quand moi, j'ai fait vidéo sur la Côte d'Ivoire, là, j'ai déjà gagné même avec 10 étoiles, je n'ai jamais gagné. Quand moi, j'ai fait vidéo sur vous, même 100 étoiles, je n'ai jamais eu, vous les Ivoiriens. Mais vous êtes partout dans ce monde. Vous êtes ici aux États-Unis. Vous avez vos enfants. Vous êtes partout en Suisse. Il y a une là. Et puis toi, faut plus m'appeler ton petit frère. Je ne suis pas ton petit frère. Je connais mes grandes soeurs. Je connais ma famille. Voilà. Et puis, il faut laisser le nom de ma région comme ça. Tu as fait. Toujours tu fais ça, je supprime ton commentaire. Tu te reconnais très bien. Tu dis, tu es à Paris. Toi, la dame là. Le jour que tu vas faire le même commentaire encore, il va te bloquer. Hein. Il va te bloquer sur toutes mes pages. Parce que tu n'es pas ma grande soeur. Tu ne connais pas. Faut bien mettre ça très bien. Faut soulever ton soutien, ta main ça là-bas. Voyez, faut faire attention à moi. Hein. Voyez, j'étais très remarqué. Toi, ton profil et puis ta photo est rouge là. C'est de toi et pas. Tu vas te reconnaître. Ok, je continue. Donc vous là, vous êtes les plus maudits. Moi, je ne parle pas d'un peuple maudit. Vous êtes très méchants. Et je comprends pourquoi les autres ont changé de veste. Pourquoi les Johnny Pacheco ont préféré soutenir le diable? Vous pensez que Johnny Pacheco il aime Draman Ouattara? Vous pensez que Johnny Pacheco il aime Draman Ouattara? Johnny Pacheco, l'homme qui était prêt à mourir, il n'aime pas Draman Ouattara. Mais peut-être à cause de votre comportement là, il y a quelque chose que vous avez fait qui l'a énervé. Et aujourd'hui, il est prêt avec Draman. Il veut rester à lui pour mourir. Et lui-même, il dit si Draman n'est plus présent, il ne fait plus vidéo sur quelqu'un, il ne fait plus vidéo sur la Côte d'Ivoire. Il va supprimer sa page Facebook. Il va se concentrer à sa femme blanche. Je comprends que ces gens-là, ils ont raison. Les traîtres là, ce qu'on appelle les traîtres là. Les blagues, ils ont raison, hein. Ça y est dans mon cœur. Mais comme sa politique ici, on peut pas essayer, ici, au lieu de l'attaquer. Sinon, ils ont raison. On peut pas se tuer pour un tel peuple. Vous faites quoi pour les gens? Gbagbo Laura, ils sont venus le prendre du pouvoir pour l'envoyer à ce pays. Il est venu. Il y a un Ivoirien qui a réclamé sa présidence. Est-ce qu'il y a un Ivoirien qui a dit, mais Gbagbo Laura, sa place même, ce n'est même pas à maman. Normalement, un peuple qui est sérieux, vous devez remplir les rues. Mais vous avez peur qu'on vous gaze. Selon les tests de nos pères, c'est Gbagbo qui est toujours président. Puisque Gbagbo, c'est pas comme s'il a fait passation, ou bien comme si c'était en pleine élection. Il avait déjà été investi. Et puis, ils sont venus le Syrie. Quand ils l'ont Syrie, là, ils n'ont pas fait une procédure pour le destituer. Au moins, si on le faisait une procédure judiciaire, ou bien, je sais pas, Cour suprême, et puis on le destitue d'abord avant de l'envoyer à la CPI, on peut comprendre. Mais on le prend, on l'envoie à Korogo, on le maltraite. Lui-même, il a dit ça à la CPI. Il dit, en plus des séquelles que j'avais, j'ai reçu de nouvelles séquelles parce que je ne pouvais même pas voir le temps, la notion du temps. C'est lorsqu'il pleuvait sur le toit que je sais qu'il pleut. Je suis assis sur une chaise. Je ne peux même pas voir la lumière du jour. Ils ont maltraité le vieux. Mais s'il va aller à parler. Il va aller à pas parler. C'est pourquoi il est là. Moi-même, là, le fait même qu'il s'est déclaré même candidat, même ça m'énerve même. Voilà. Parce que les Ivoiriens devaient se battre pour que son nom soit sur la liste. Mais quel Ivoirien qui est sorti? Aucun Ivoirien n'est sorti. Ils ont peur de sortir. Quand Gbagbo Laura se battait au prix de sa vie, là, il sortait, non? Si aujourd'hui la prise de l'âge, elle a besoin de vous, c'est pourquoi moi j'ai abandonné tout ça là. Faites vos bêtises là. Je ne suis plus dedans. Voilà. J'ai soutenu le Burkina, le Mali et le Niger. C'est des peuples sérieux, ça. Les Tchads, les Sénégalais, on va pousser le bouchon. Vous n'êtes pas le seul pays d'Afrique. Vous n'êtes pas le seul peuple d'Afrique. Vous êtes méchants. Vous êtes sorciers comme ça. Quand tu fais quelque chose net, ils sont là comme ça. Ils ont des hiboux. Même j'ai posté ma voiture. Ça énerve les gens. Et tous ceux qui ont commenté en mal sont des Ivoiriens. Je suis allé sur leur profil pour vérifier. Tous mes frères burkinabés, maliens, guinéens, sénégalais, tous les autres là, ils ont bien commenté.
Ah, mon frère, c'est... Attends, attends. Mais les autres, là, ah, tu dis tu es étudiant, puis tu as ça. Ça dit des commentaires tordus, jalousie comme ça. Mais si dans votre Côte d'Ivoire des dramas, là, si vous ne pouvez pas acheter une voiture quand vous êtes étudiant, ici, tu peux être étudiant, puis acheter une voiture. Voiture, ça coûte combien? Même mon vélo électrique, là, c'est plus cher que certaines voitures. Mon vélo électrique, là, qui est 2 300 $, là, il y a des voitures qui coûtent 800 $, 1 000 $, 1 500 $, tu es dans la voiture. Tu as compris ou pas? Il y a des voitures de 2 000 $ et qui sont encore en forme même. Moi-même, ma première voiture, ma première Toyota, là, c'était 3 000, j'ai eu ça. Même, c'était plus cher puisque c'était Toyota. Sinon, les voitures moins chères. Vous n'avez pas dit que Draman Ouattara, c'est brave, cher. Pourquoi sous Draman Ouattara, vous ne pouvez pas acheter moto? Et ceux qui font la livraison, on les tue matin, midi, soir. Un pays maudit comme ça, là. Et moi, je le dis, et puis je le prends. Je regrette même d'être ivoirien. Votre ivoirien actuel, là. L'ivoirien actuel, là, moi, il regrette d'être ivoirien. Je ne sais pas qu'ivoirien était comme ça. Moi, il est passé. Il y a un jeune au quartier, c'est pas au quartier, un autre quartier, l'autre côté. Il y a un jeune, il est là, il veut m'intimider. J'ai fait mon truc, et puis je suis en train de causer avec un gars, on criait, hé, quitte ici. Quitte ici. En même temps, il a freiné, il a déposé mon vélo de côté. Puis je lui ai dit, what are you talking about? Oh, faut quitter ici, faut quitter. Il a dit, mais la route là, c'est pour ton papa. Non, mais c'est pour ta maman. Et le monsieur se dit, ah, je suis son papa. Il dit, mais je m'en fous, c'est à lui que je pose la question. Est-ce que cette route là, c'est pour son papa, c'est pour vous, vous son père là, c'est pour vous la route? Le monsieur dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas pour son père. Il dit, faut conseiller à ton fils. Il faut lui conseiller. Voilà. Ils sont débavardés, ils ont appelé la police. Moi-même. 3 voitures, brrr, ils sont venus. J'ai dit, mais moi, je suis en train de passer. Et j'ai une fille que je reconnais ici. On a causé un peu. On me dit de quitter la route. Les policiers sont venus, non, vraiment, tu as raison. Bon, il faut laisser tomber. Ta, 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 ta. Bon, on savait qu'il avait raison. N'ayez pas peur. Un peuple qui a peur, c'est quoi? Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Demain, on c'est un être humain. Est-ce qu'il peut vivre 30 ans? Est-ce qu'il peut vivre 40 ans, 50 ans? C'est fini. Si la tombe vécu ses 20 ans ou 10 ans et puis va mourir demain, comme tous les autres êtres humains, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Quand on fait quelque chose, vous voulez embrouiller les gens. Non, ils ont voté loi, ils vont vous rapatrier. Vous mettez sorcellerie dans politique, dans parti politique, vous mélangez tout. Il y a d'autres qui viennent nous écrire parce que c'est des sorciers. C'est ce qu'ils souhaitent. Il y a une fille là, elle s'appelle Amouin. J'ai plus le temps de la bloquer sur toutes mes plateformes. Donc je peux retrouver son profil. Venez, je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Et puis je vais vous dire ce qu'elle a dit comme commentaire. Ou comment je peux. Attendez. Je l'ai bloqué partout, donc je peux la retrouver. Elle s'appelle Amouin quelque chose. Une jeune fille, hein. Mais Aigre va la tuer, une fille ivoirienne. Et puis toi là, le jour on t'attrape là, de la manne. Elle a dit quand même, j'entre dans le compte. Hé, vraiment, vous êtes trop maudits quoi. Non, chers Ivoiriens, vous êtes maudits même. Et vous êtes méchants. Et vous êtes mauvais. Et vous êtes peureux. Vous avez tout ce qui est négatif. C'est pourquoi Dieu vous a donné un président négatif. Il va vous mater. Nous qui parlons, puis vous nous narguez là. Elle va vous commander à la con là. Nous on vit pas là-bas. Hein. Nous on vit pas là-bas. Vous connaissez l'ancre petit la gagne Soulet de Paris. Ou bien deuxième Soulet. Il y a Soulet GPS et puis il y a Soulet PPACI. Les deux Soulet là, vous savez que l'ancre il gagne. Dans le fait de ça là seulement. Vous connaissez ce qu'il gagne. Restez là seulement et dormez. Vos mots diables la cap. C'est vous qui venez narguer les gens. Restez là seulement. Attendez, il y a montré la dame que je voulais montrer là. Comme ça. Où ça même. Vous m'énervez même, vous les Ivoiriens. Voilà. Désabonnez-vous sur ma page. Tous les Ivoiriens, désabonnez-vous sur ma page. J'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous. Quittez ma page. Moi, je suis pas comme les autres là. Hein. Je suis pas comme les autres qui. Non. Moi, c'est différent. Je dis ce que je pense, puis je m'en fous de quelqu'un. Désabonnez-vous sur ma page. Vous allez voir les autres vont s'abonner. Est-ce que dans mes 140 000 abonnés là, s'il y a trop, c'est 10 000 Ivoiriens. Dans les 140 000, s'il y a trop, c'est 10 000 Ivoiriens. Mais il y a plus de 10 000 qui viennent sur mon profil pour regarder. Mais il ne veut pas s'abonner. Les sorcelleries. Vous êtes des sorciers, des maudits. Rempli de jalousie et d'aigreur. Tu fais quelque chose net, bouc, c'est eux qui commentent à mal. Tu parles un peu, bouc, c'est eux qui donnent les mauvaises choses. Attends, où est cette dame-là même? Je vais vous la montrer, vous allez voir. N'importe quoi. Vos maudits à vous tous autant que vous êtes. Où est même? Un peu bizarre comme ça là. N'importe quoi. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ils n'ont pas confiné avec vous. Ils vont prendre 4 mandats là. Faites vos bêtises là. Ils vont prendre 4 mandats là. Là voici ici. Mais je n'ai pas la débloquer. Comment est-ce que je vais. Est-ce que je l'ai bloqué sur tous mes comptes au fait. Voilà. Mais je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Voilà. Là voici ici. Oh. Voilà. Vous voyez non? Celle-là. Vous voyez celle-là? À moins Lucie Conan. À moins. Lucie Conan. On ne peut pas bien voir son visage. J'ai zoomé pour voir. Comme c'est petit.
Voilà, voilà ça ici. C'est une jeune petite fille, hein, mais j'ai pas envie de la débloquer. C'est pourquoi, pour aller sur son profil, faut que je la débloque. Faut que je la débloque pour aller sur son profil. Une maudite même, ça dit, hey, je sais pas si elle me connaît personnellement, jalousie va la tuer. Ça dit, elle veut même qu'on tire sur moi, qu'on me tue. Ça dit, comment est-ce qu'elle a fait là? Moi, je me suis les pieds, je dis, hé! Hey! Elle ne me dit rien pour dire, bon, peut-être qu'elle était folle et puis j'ai mis foutre sur elle, donc elle me hait. Mais j'ai lu le commentaire là, il dit, hé! Hey! Mais parce que peut-être un jour, il a parlé du dame, tiens, elle est baoulée, elle me hait. On peut pas faire commentaire comme ça sur son frère. Non, le jour, on va t'attraper encore du voile là. De la manière, je serai contente. On peut aller quelqu'un comme ça. Mais moi-même, je déteste pas Draman comme ça. De la manière que vous détestez vos frères et soeurs qui ont voyagé là, moi, je déteste pas Draman comme ça. Même Soro Guillaume, je ne le déteste pas comme ça. Chi! Non, mais vous êtes trop jaloux. Non, vous les Ivoiriens, vous êtes trop jaloux. Vous êtes trop mauvais. Vous êtes trop méchants. Ça cause ça, l'Afrique n'avance pas. Ça cause ça, l'Afrique n'avance pas. On est en vie, non? Vous allez voir ce que Draman va vous montrer. Il n'est pas encore fini avec vous. Moi, là, vos bêtises de politique, vous faites là. Moi, je suis pas dedans. Hein? Quelqu'un peut arriver Draman au pouvoir? Quelqu'un peut aller demain. Allez-y l'enlever au pouvoir. Il est là, non? Ouais. Ce qui est bon, c'est que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. 2025 n'est pas loin. On va voir. Allez-y l'enlever au pouvoir. Allez-y l'enlever au pouvoir. C'est insurrection populaire qui peut enlever lui là. Insurrection populaire, c'est ça qui peut enlever lui là. C'est pas vos bêtises là. Il est là, non? Vous pensez que c'est les mots qui ont le pouvoir là? Des gens qui ont tué plus de combien? Plus de 100 000 personnes pour venir au pouvoir. Vous pensez que c'est pour faire 15 ans seulement? Restez là, vous allez regarder. Restez là et puis regardez seulement. Quand on vous dit la vérité, vous parlez que c'est faux. C'est quand il vient dire, hé, venez, c'est fini pour Draman. Draman ne va plus faire une semaine au pouvoir. Draman, c'est fini pour lui. Il ne fera plus une semaine au pouvoir. C'est ça que vous allez venir vous abonner. Brrr. Moi, je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Il vous dit la vérité. Je ne suis pas d'affaire. Il dit, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui. Ouah, le peuple a déjà s'est levé. Le peuple temps s'est levé. C'est fini pour lui. Et on se réveille, il est toujours président. D'autres viennent faire des communiqués pour dissoudre. Demain, on se réveille, il est toujours président. Vous pensez que moi, je suis dans vos bêtises là? N'importe quoi. Qu'on appelait quelqu'un ivoirien. Quittez ma page. Quittez ma page. Tous les Ivoiriens, quittez ma page. Voilà. Quittez ma page. Hein, vous, on gagne quelque chose? On ne gagne pas vue. On ne gagne pas abonné. On ne gagne pas like. On ne gagne rien. On ne gagne pas combat. On ne gagne rien avec vous. On ne gagne pas étoile. Rien. Ça dit, vous, la con. Ça dit, quand on parle de vous, c'est comme si tu te maudis. Ça dit, parler de la Côte d'Ivoire, tu te maudis. Moi, je l'ai compris. Pensez que moi, je suis comme les autres là. Parler de la Côte d'Ivoire, c'est se maudire lui-même. Allez, vous l'en gagne quoi? Allez, vous l'en... Voilà, 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 vous avez combien? Et puis regardez le nombre de partages. 3 partages. Allez, vous l'en gagne quoi? Vous. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Les gens qui vous disent la vérité ne sont jamais suivis. N'importe quoi. Un peuple rêveur comme ça là. Un peuple d'église. C'est vous seulement Dieu aime. C'est l'église que vous avez utilisé. Puis ils ont dit hier, ils vont tuer l'éternel des armées. Et puis c'est pas allé quelque part. Un peu seulement l'éternel. Un peu seulement l'éternel. L'éternel là, c'est pour vous seul. L'éternel là, c'est pour vous seul. N'importe quoi. Vous êtes des familles, vous vous cachez derrière des religions. Et ils ont pris une religion pour faire rébellion. N'importe quoi. C'est un peuple qu'elle a là. Ça, c'est un peuple qu'elle a. Ça, c'est un pays. Un peuple maudit comme ça. Un pays maudit comme ça. Là. C'est pourquoi Dieu vous donne un président qu'il bénit de la malédiction. Il le bénit de la malédiction. Et puis, il ne va pas mourir de suite. Il est là. Il va vous mater. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Il ne va pas vous laisser d'ici peu. Il va vous mater. Et vous allez voir ce qu'il y a dedans. N'importe quoi. Voilà un mendiant ici encore. Voilà un mendiant. Venez voir. Venez voir. Un mendiant comme ça. Regardez. 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 Regardez-lui là. Regardez-lui là. J'ai vraiment un sérieux problème. S'il te plaît, comment tu peux venir en aide? C'est le testicule de ton grand-père. Il n'y a pas pour te venir en aide. N'importe quoi. Quand eux, ils t'écrivent, c'est pour te demander l'argent. On est sérieux seuls qui sont pauvres. Vous n'avez pas dit que vous êtes plus riche que les Burkinabés? Vous n'avez pas dit que vous êtes plus riche que les Maliens? Et que c'est des pays poussiéreux? Et que le Niger n'y a rien là-bas? Pourquoi toujours c'est vous qui mendiez tu me connais où? Tu t'appelles Zézé? Moi, je ne m'appelle pas Zézé. On ne se connaît pas? Moi, il n'est pas une famille. Ma propre petite soeur, la seule fille de ma mère, elle est malade. Elle est très malade. Tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Je vais vendre certaines choses à un mec qui me dit, ne faut pas faire ça. Et puis toi, il y a laissé ça. Puis c'est toi, Zézé, que je ne connais pas, ni Dada, ni Dev. C'est toi, il est venu dire, comment tu peux m'aider? Il va t'aider en te disant, ton maudit, c'est comme ça, il va t'aider. Ta mère compte mettre dessus. Gardez-moi les gens comme ça. Quand ils t'écrivent net, c'est pour te demander l'argent. Quand ils t'écrivent net, c'est pour te donner des problèmes. Attends, Draman est là-bas. Draman dit vous donne 1 milliard par jour. Vous n'avez pas réclamé les 1 milliard? C'est un homme qui est en train de faire les résumés de des livres. Un homme qui est en train de se casser les couilles pour avoir un petit diplôme. C'est lui que vous venez fatiguer pendant qu'il ne travaille pas. Vous êtes sérieux là? N'importe quoi. Va demander à bébé ça os demain, il va te donner l'argent. Makoso est mort. Ou bien Louise Makoso est mort. C'est pas eux que vous donnez des vues.
Ah, Poutou est là, non? Allez-y, là, demandez l'argent. C'est moi, vous demandez, vous venez. Il vous a dit que je suis riche. N'importe quoi. Un peuple, je ne sais même pas comment on va vous qualifier. Vous n'avez pas remarqué, je ne fais plus de vidéos sur vous. Hein. C'est fini. Quel que soit ce qui se passe encore, je ferme mes yeux. S'il n'y a pas de vidéos, de toute façon, je ne vis pas de YouTube et de Facebook. Voilà, je suis un garçon. Je préfère avoir un franc que de me morfler, puis faire semblant. Oh, Koutoukou, c'est fini pour Draman. Oh, fais des calculs bizarres. Je m'en fous de ça. Sorogyo m'énerve, j'ai dit Sorogyo m'énerve. Si tu es soroïste, il ne faut pas finir sur ma page. Voilà. Blé goudé zaï, il dit blé goudé tu zaï. Tu es cojep, il ne faut plus finir sur ma page. C'est comme ça que je suis. MCG m'énerve, j'ai dit MCG, tu m'énerves, Simone. Tu m'énerves, tu ne fais pas politique. Tu m'énerves. Si tu aimes Simone, il ne faut plus venir sur ma page. On n'est pas né pour se faire aimer. Hein. On est né pour être garçon ou bien femme. Voilà. On assume ses choix. Ce n'est pas dans les vidéos contrôlées, des vidéos de calcul. Et puis c'est une seule personne en combat. Tramar Ouattara. Et eux-mêmes, ils savent que personne ne peut l'enlever. Mais ils font quand même pour avoir des vues, pour avoir monétisation. Pour avoir des vues et des monétisations. Moi, je ne suis pas dedans. Je dis ce que je pense. Voilà. Peu importe ce que ça va me coûter. Je dis toujours ce que je pense. C'est un garçon. Familette comme ça là. Regardez tous les cyberactivistes. Ils sont tous corrompus. Tous les hommes politiques sont tous corrompus. Tout est mélangé. N'importe quoi. Tu as pris un décret. C'est pourquoi tu fais pas vidéo. C'est sur moi que tu comptes pour faire vidéo. Avant de venir faire vidéo là, il t'a demandé. Vous êtes des incapables. Vous souffrez et puis vous ne faites rien dans la souffrance. Et puis c'est ceux qui ne souffrent pas là qui doivent souffrir pour vous. Vous êtes sérieux là? Moi je ne souffre pas de votre souffrance. Hein. On n'est pas dans la même situation. Ton président s'appelle Draman Ouattara. Le voltaïque. Et moi mon président s'appelle Joe Biden. L'américain. Voilà la vraie situation. Hein. Maintenant je suis d'origine ivoirienne. C'est tout. D'origine ivoirienne. C'est pourquoi souvent je parle de vous là. Sinon on n'est pas dans la même situation. On ne consomme même pas la même monnaie. Vous consommez une monnaie coloniale. Il y a combien d'Ivoiriens qui parlent du franc CFA ou qui parlent contre le franc CFA? Il y a combien d'Ivoiriens qui parlent du franc CFA ou qui parlent contre le franc CFA? Vous êtes combien? On met ça aussi à cet Draman Ouattara. C'est lui qui imprime l'argent là. N'importe quoi. Voilà son con qui fait sa conférence ici. Voilà. 18 000 abonnés. Voilà. Le Sénégal avance un peu. Son con. 18 000 personnes en ligne, il fait sa conférence, un peu le Sénégal va s'élever. Restez là seulement. Quand tu parles un peu d'étudiant Tiam, peut-être celle qui a fait le commentaire qui veut qu'on me tue, qu'on m'attrape là. À moins Lucie ou bien quoi, elle a des vieux noms de 1955. C'est une petite fille. J'ai pris le lien, j'ai checké, je suis tombé sur toutes ces informations. Il y a des sites ici là où tu peux mettre les noms là pour voir tout, même quel que soit dans le monde. C'est un site affilié à la CIA. J'ai tout vu, je sais où elle est, je sais qui elle est. Je connais ses parents, tout, j'ai tout vu. Et puis je l'ai mis de côté. Elle seulement là, je l'ai mise de côté. Un jour, elle me voit en face d'elle comme ça. Giflée, elle fait dans le visage. C'est elle qui était là, elle a plus haï quelqu'un de la sorte. Vous haïssez les gens à cause de leur conviction. Chacun peut avoir sa conviction. Ou bien peut-être parce que j'ai parlé de Tiam. C'est pas Tiam qui est parti voir à la veille. Dès que Gbagbo a dit qu'il est candidat, Tiam a raconté Draman Ouattara. Et on vous blague pour dire non que c'est pour les obsèques de Bédié. Quel obsèque de Bédié? Pour faire obsèque de Bédié, il faut que Tiam et puis Draman se racontent d'abord. Vous êtes sérieux là? Des partis qui sont opposés. Parce que l'autre est de PDCI, c'est faux. Si dit Draman veut croiser quelqu'un, il va croiser la femme de Bédié et les parents de Bédié. Tiam n'est pas parent de Bédié. Tiam là, c'est un Sénégalais. Il n'est pas parent de Bédié. Pour enterrer Bédié là, il faut aller voir Tiam. Bédié s'appelle Conan. Lui, il s'appelle Tiam. C'est la même chose. Vous êtes sérieux là? Si on doit enterrer Bédié pour parler de ses obsèques, on appelle sa femme Henriette. On appelle ses parents biologiques. Et puis on parle de ça. Ils sont partis se voir là, mais c'est pour parler de contre Gbagbo. Comment ils vont faire pour mettre Gbagbo à terre? De la manière qu'ils ont fait hier avec Bédié pour mettre Gbagbo à terre là. C'est ça, ils sont partis voir. Ah, s'il fait sortir les gens, il faut parler comme ça. Vous pensez que nous, on est bêtes, on boit l'eau par notre narine? Vous pensez que la nourriture que vous mangez qui vous rend bête encore du voilà, c'est ce que nous on mange ici? Nous, on réfléchit bien. Moi, j'ai compris dedans, mais il n'a pas voulu parler. Dès que Gbagbo a dit le samedi qu'il est candidat, lundi, ils se sont vus. Vous pensez que c'est pourquoi? Vous pensez que c'est pourquoi? Ils vont partir parler de cadavres que eux-mêmes ils ont mis down. Ils vont parler de cadavres de Bédié. Ils sont allés programmer les choses. Ah mon frère, toi-même tu connais ceux-là, s'ils viennent là. Toi-même là, tu es comme moi. On te traite d'étranger. On dit que tu es Sénégalais. Moi, c'est comme ça, on m'a fatigué. Si tu vas arriver quelque part là, faut jamais permettre à ce bêté là de revenir au pouvoir. C'est ce sudiste là, c'est des démons. S'ils viennent au pouvoir, ils vont se venger sur nous. Même toi-même, on ne va pas t'épargner. Donc on a la même situation. Au cas où il fait soulèvement populaire, il faut appeler tous les baoulés, tout le PDCI. Pour ne pas les suivre dans le soulèvement populaire. Parce que vous êtes l'ethnie la plus grande en Côte d'Ivoire. Donc combattons-les. Si nous on passe la main, il peut te récompenser. Tu peux être premier ministre, tu peux être. Ils ont parlé. Comment mettre Gbagbo dedans?
Vous pensez que Tiam Kela là, lui, il profite à Babo Laurent? C'est vous qui n'avez rien compris? C'est vous qui n'avez rien compris? N'importe quoi. Voilà, le même là qui est en train de me donner son WhatsApp ici, son numéro ici, pour que je puisse faire wave. C'est au vaudou que je vais t'envoyer, c'est pas wave. C'est au vaudou. Il a fait bien t'envoyer dans ton compte là. Maudit là. Chers camarades, voilà ce que j'avais à... Quand il fait, voilà la vidéo que j'avais à faire sur vous. Les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Voilà votre vidéo. Ça, c'est votre vidéo. Prenez ça comme ça, bon cœur. Moi, je ne supprime pas ça là-dedans. Ça va rester. Et après, il y a même sur YouTube. Et puis, ça sera archivé. Tous mes propos seront archivés. Et je vais voir par rapport à ça. Il y a voir ce que vous avez fait par rapport à ça. Vous n'avez rien fait. Vous n'êtes même pas un peuple qui étonne. Un peuple qui étonne. Vous êtes là, vous dormez, vous mougoussez, vous mangez porc au fou. Vous êtes dans les lotos, dans les jeux hasard. It's one bet. Vous regardez les comédies à travers et de travers. Vous riez de tout. Bête. Ça, c'est un peuple qui est là. Ça, c'est un peuple qui est là. Mais je suis en train de faire un peu pour avoir mon truc burkinabé. Hein. Un bon matin, je vais vous montrer ça. Si moi, j'ai pris ma nationalité burkinabé, je ne vais plus jamais renouveler. Je ne vais même pas chercher à devenir ivoirien jusqu'à y mourir. Parce que j'ai besoin d'une terre où je peux aller acheter une maison, où je peux aller investir. Si demain, je veux rentrer en Afrique. Et le Burkina, actuellement, est en tête d'hélice. Après, le Niger et puis le Mali, pour l'instant. Donc, il n'y a même pas besoin de venir dans votre pays, là. Voilà, je meurs au Mantel, là où je suis mort. C'est ce que je dirais à ma famille et à mes enfants. Si elle meurt ici, c'est ici au Mantel. Si elle meurt en Afrique, c'est en Afrique au Mantel. Là où je suis mort, là, c'est là au Mantel. Je m'en fous de ce qu'on appelle terre de nos pères. Vous avez souillé les terres de nos pères. Vous avez vendu le pays. Philippe Mangou, c'est un Ivoirien. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Selon Dom, c'est un Ivoirien. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Quand on attaque net, oh, tu es encore dans ça, là. Oh, tu as la haine. Vous êtes divisé. Toi, tu penses qu'il peut arriver vraiment au pouvoir, c'est pas sur le vent populaire. Selon veut faire quelque chose. Il est venu dans l'AES. Vous avez gueulé ici. Oh, Soro a fait peur à Draman. Soro fait peur à Draman. Soro est venu à l'AES. Il a fait quoi? L'année est finie. 2023 est finie. Il n'a rien fait. Voilà. Mars est déjà fini. On est dans 4 mois. 2024 est en train de finir. Il ne fait rien. Et il ne pourra rien faire parce qu'il n'a rien dans le cul. Tous les cyberactivistes, tout le monde, pro Gbagbo, pro GPS, pro. Tout le monde a soutenu Soro, sauf moi seul. Je suis le seul cyberactiviste. Je vous ai dit Soro là. Oubliez-le. C'est moi qui vous ai dit ça. Tout le monde venait m'insulter. Vous m'avez insulté jusqu'à là. Ça fait combien de temps qu'il est dans Sahel? Ça fait presque demi-année. Parce qu'on est déjà dans 4 mois. Il est venu, il passe, c'est en novembre, octobre, l'année dernière. Ça fait presque 6 mois qu'il est là. Un a divisé par deux, il est là. Il a fait quoi? Draman est au Niger. Draman n'est pas au Niger. Si vous voulez coordonner, il peut coordonner quelque chose. Il peut rien faire. Tout est bouclé. C'est de ça qu'il s'agit. Un peureux comme ça, là, il est fort lorsqu'il y a calage dans son dos. C'est ça, on dit quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le pays. Attendez-le. Vous avez souillé le pays. Vous êtes gâté, vous avez vendu les cassarettes, ont trahi leur nation. Le doyen de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, il a trahi, il est mort dans la traîtrise. Il est mort en tant qu'un traître. Son nom est dans la poubelle de l'histoire. Vous n'en parlez pas. Philippe Mangou, il est encore vivant. Chef d'état-major de notre pays. Il a trahi sa nation. Il a trahi ses quatre étoiles. Vous n'en parlez pas. Ahmed Bakayoko, c'est un Ivoirien. Il sait très bien que Draman Ouattara, ce qu'il fait là, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. À cause de l'argent. Il est où aujourd'hui? Il est mort. Sable Bleu, c'est un Ivoirien. Il est mort. Amadou Gon Koulibaly, c'est un Ivoirien. Ils ont soutenu les rebelles pour nous tuer, pour tuer nos parents, pour brûler nos frères vifs dans les rues. Parce que les gens défendaient leur patrie. Vous n'en parlez pas? Quand on en parle, oh, tu remues le couteau dans la plaie. Oh, tu fais gnang, 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 gnang. Maintenant, la plaie là, je vous laisse. Maintenant, je peux remuer le couteau. Vous fatiguez les gens. Pensez qu'on en est seulement pour vous? Mais c'est vous seul qui êtes Africain. Les Burkinabés sont des Africains aussi. Les Maliens sont des Africains aussi. Les Nigériens sont des Africains aussi. On va les défendre. On va parler d'eux. N'importe quoi. Alors, chers amis, c'était donc l'intervention de votre serviteur. L'amiral Obafé, c'était vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie en cette soirée de vendredi, je crois bien, 15 mars 2024. Alors, il a parlé très fort. Il a parlé très fort, mais comme je l'ai dit, moi aussi, je vais parler. Moi aussi, je vais faire un direct spécial pour toucher là où il faut toucher pour que ça puisse enfin réveiller ces Ivoiriens endormis. Un peuple meurtri, un peuple esclave. Mais qui est toujours dans les bêtises. Trop c'est trop, ça doit changer. Et ça doit commencer par vous. Ça doit commencer par vous. Ça doit commencer par vous. Peuple de Côte d'Ivoire. Prenez un peu l'exemple. En tout cas, aux alentours de la Côte d'Ivoire. Prenez un peu l'exemple sur les peuples voisins. Ousmane Sonko a été libéré parce que le peuple est resté déterminé, engagé. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en Côte d'Ivoire pour que ça change? Et ce monsieur-là est en train d'aller encore se poser en 2025. Et vous allez l'appeler encore président. C'est pitoyable. En tout cas, merci à vous qui êtes resté connecté. Et tout à l'heure, s'il y a le temps, je lance le direct. Ou bien, demain matin très tôt, on va faire ce direct. Parce que trop, c'est trop. Voilà.
Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, qu'Allah vous garde. Bonsoir chez vous.